Bonjour à toutes et à tous, on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on va continuer le walkthrough qu'on avait commencé sur Battlefield 4. On va s'attaquer à la deuxième mission qui s'intitule Shanghai. Putain de loi martiale pour 1 milliard d'habitants. Ils sont furieux à cause de l'assassinat de Jin Jae. Qui c'était? Il convoitait la présidence, progressiste. Il poussait le gouvernement à la transparence, à la justice et à la liberté. Chang les a convaincus que nous étions responsables de la mort de Monsieur Ji. Si vous échouez dans cette mission, il aura l'excuse parfaite pour concentrer toute cette colère, toute cette haine sur nous tous. Ce sera la guerre. Votre tâche, c'est d'extraire des VIP sains et saufs des tours de Ziyu. L'extraction sera coordonnée par un agent de terrain, Laszlo Wkowicz. N'utilisez vos armes qu'en cas d'absolue nécessité. Riker, Dunn estimait que c'était à vous de diriger l'équipe au cas où il lui arriverait quelque chose. Sa perte est une véritable tragédie. Ne faites pas regretter d'honorer sa dernière volonté. Faites ce qu'il faut. Tâchez d'être discret. On n'a pas le droit à l'erreur, les gars. J'espère qu'il arrivera rien à la caisse. Du calme, petit frère. Ça va aller. Et pour la femme de Dunn? Je me suis pas fait à l'idée, Pac. Franchement, je sais pas quoi lui dire. Il est pas mort dans son lit et je me vois pas lui mentir. Aerith! Come on, Sentinel! Désolé, miss. Putain, mais c'est le bordel complet ici. Les flics sont sur les dents. On fait que traverser ce merdier pour ramasser le gros lot, c'est ça? On passe entre les gouttes. Hein, Riker? En tout cas, je prendrais bien un café, là. Hé, infanterie motorisée dans la place. Bien reçu. J'ai l'impression que ces enfoirés voient que moi. Joue-la naturel. Naturel? Non, mais c'est une plaisanterie. Tu trouves que j'ai l'air d'un chinois, Pac? Quelqu'un a le bâtiment en visuel? On ne bougera que si on trouve le moyen de sortir d'ici. Ok, prends à gauche, maintenant. En avant! Je crois qu'on est bon. J'ai le bâtiment en visuel. On doit aller à quel étage et combien de VIP d'après Garrison? 3 avec Kovic? Kovic est 2 du coup. Putain! Hé, hey, Doudou, on se calme! Faut prendre à gauche, le bâtiment est à gauche. On est coincé. Faut abandonner le véhicule, on va continuer à pied. Reçu. Allez, Riker! La caisse! Ça commence mal. C'est fermé. Tag. Voir ça? Et nous nous retrouvons sous la pluie pour changer. Quelque temps pourri. Monsieur, vous en prie. Comment on va faire? Se pointer à pied, c'est une chose. Avec les VIP, c'en est une autre. Calme-toi, Pac. On va les amener au Valdir. Fais-moi confiance. Là-haut, on aura une bonne vue de ce qu'il y a devant. Cet hélico, c'est pas bon signe. Qu'est-ce que... Oui, je parlais pas de force spéciale chinoise. On devrait aller là-bas. C'est mauvais signe. Oui.
Ah, passer par à droite, hein, c'est le chemin. Si le renseignement a raté ça, il a pu rater d'autres trucs. Faut prévenir le Valkyrie. Fortress, Houston 4, message. Fortress, écoute. Situation comme suit. Concentration de troupes chinoises autour du point visé. Attendez. Il y a des forces spéciales. Effectif inconnu pour l'instant. À vous. Reçu. Agissez selon situation. Terminé. Reçu 5 sur 5. Bon. Si jamais quelqu'un comprend ce que dit notre cher ami chinois dans Parieur, ça serait sympa. Je pense qu'il doit dire rendez-vous. Très bien. Voyons ce qu'on a. On se prépare. Oh, très bien. UMP-45. J'ai... C'est quoi, les flingues de cocktail? Direction l'hôtel. Je le vois pas. Les VIP sont au bar du dernier étage. Ils profitent de la vue. Fallait que ce putain de bar soit sur le toit. Il faut que t'appelles la femme de Dunn. Ouais, je sais. Ça me mange. Oh, le bug! Désolé, bug de texture, c'est pas grave. Ça arrive parfois. Chier, les mecs, je crois qu'on vient d'envahir la Chine. On peut pas repartir par là. Est-ce qu'on a d'autres options? Non. Ouvre l'œil, c'est tout. Et la toute première plaque, c'est trop vite. C'est putain de VIP. On est bon. Hey Shaker, regardez ça. Qu'est-ce qui se prépare? Contact dans les escaliers. Enfin, ce pistolet est très puissant, hein, mais la séquence de tir est trop faible pour moi. Et vous trouverez ici un fusil à pompe. Évidemment, un fusil à pompe, c'est le problème des fusils à pompe. Hein. Ça n'a pas de portée de tir. Qu'est-ce que j'adore les décors dynamiques. J'ai eu chaud. Oui, on va le déloger à l'ancienne manière. Et vous trouverez ici des clés morts. On sent, Ricker, bien joué. Les a tous tués. Ouais, je crois. Allez, dans la loge VIP. Mais, porte de sécurité. À toi de jouer, Pac. Ça prendra qu'une seconde. Donc, une clé mort ici. Une clé mort là. Ça sent
entendons. Et encore une ici, ça suffira. Il va vers le toit. Braqueur, surveillez la fenêtre et tenez-vous prêts. T'as ramené les clés morts, Braqueur? Mettez-vous en position! Ennemis en approche! Sur le balcon! Pas de course, Pat! Aussi vite que je peux! Allez, laisse-moi! Donc j'ai une âme, sinon, moi. Voilà. La gloom, IPP. Joli tir, Breaker. Oh. Ça y est, c'est bon. Allez les mecs, je finis. Bon bah très bien, tout se allez, passe bien. Vous pouvez y aller. Du gâteau. Il va y avoir un escalier ici. Tout le monde va bien? Va, bien. On peut pas casser les caméras, dommage. Étage 41. Ouais. Go, go. C'est notre étage. RAS. Proche. VIP 38. Oh non, c'est ici. Oh merde. Putain, merde. Bordel. Ils sont tous morts. Vous êtes en retard. Faut du temps pour venir à bout de mecs venus pour fouiller l'immeuble. C'est pour ça que j'ai changé de chambre. Alors dans ce cas, Kovic, pourquoi vous avez besoin de nous? Traverser le couloir est plus simple que traverser la rue. Venez, venez. Allez, Ricker. Où est le fourgon? Le fourgon? On peut oublier les rues, Kovic. Elle grouille de militaires chinois. Oh putain, quelle merde! C'est qui ces VIP? Des gens très importants, une femme haut placée et son mari. On les fait sortir en un seul morceau. C'est tout ce que vous devez savoir. Je suis Anna. Voici mon mari. Merci de votre aide. Pardon, monsieur. Excusez-moi, madame. Vous parlez ma langue? Vous allez bien? Vous pouvez marcher? On est bien choix, Ron. Bien, aussi. Mon mari est blessé. Il lui faut du repos. Négatif, on n'a pas le temps. J'ai aperçu des hélicos sur le toit, il faut qu'on y aille. Alors on monte. Quoi? Si vous le prenez, je peux le piloter. Que ça vous plaise ou non, c'est comme ça. À moins que le sergent ait une meilleure idée. On pique des hélicos maintenant! Vous avez fini. Mon mari a besoin d'être soigné. Toute cette violence... Où ça nous mène, sergent? Ce n'est pas à ce point. Merci d'être venu, sergent. Je vous en suis reconnaissante. Allez, maintenant! Vite! Vite! Go, go! Mais c'est vous, allez! En route, Tracker. Allez, on y va. On voit nos VIP. On n'a plus le choix, moi. Dégagez la voie! Je vais couvrir nos arrières. Monsieur, madame, attendez ici. D'accord, on grimpe. Sergent Ricker, emparez-vous de l'hélico. Bon, normalement on peut le faire en discrétion totale. Attention, sergent. Mais savant que je vais déjà me louper à l'avance.
attention à ta couverture. Tant pis. Quand même qui veut éliminer sa VIP, mais il doit être très important. On bouge vers une nouvelle position. Le problème des mitraillettes, c'est qu'elles ont beaucoup de capacités, mais elles sont très peu précises à emporter. En manière générale. Affirmatif, couvrez-moi. En plus, UMP-45 se débrouille bien contre. Je vous conseille d'avoir en permanence dans ce jeu une arme de corps à corps. Quand je dis corps à corps, c'est petite et moyenne portée, donc mitraillette. Et une arme à longue portée, hein, donc sniper ou ce que vous voulez à longue portée. Ça ne peut que vous aider. Toi, nettoyer. Fortress, Tombstone 4. Fortress, écoute. Reçu, les VIP arrivent à bord d'un hélico pris à l'ennemi. L'un d'eux a besoin de soins immédiats. On est toujours dans la tour, on cherche un autre moyen de filer. À vous. Compris, en attente. Et on y va. Tombstone. Et on rentre. Putain de merde. Eh, ça vous rend pas claustro, ces trucs? Non, c'est pas les ascenseurs qui me gênent. C'est l'altitude. J'ai horreur de ça. Putain, c'est une blague. Quoi? J'adore ce morceau. Un putain de morceau. Jusqu'ici ça va, je passe devant. Allez, on y va. Gros tricker. Désolé des ralentissements, là je n'y peux rien. C'est temps de charger. Bien, et vous trouverez ici la deuxième arme du niveau à trouver. Tombstone 4, répétez. Je répète, cette position ne peut pas être tenue. Exfiltration impossible. Vous avez 30 minutes pour rejoindre le bateau. Portrait terminé. C'est un sniper comme tout ce qu'on a eu dans la mission d'avant. Donc très grande capacité de tir. FM. Pas beaucoup de dégâts en règle générale. Débloqué dans le décor, ça arrive, ça. Il faut
faut savoir que pour les meilleurs tireurs, vous pouvez abattre l'hélico. Ouais. Bon, le plus souvent, c'est tellement compliqué que moi j'arrête. Hein. À faire, j'arrive pas à l'avoir celui-là. Bah, il y en a qui débarquent que là-bas. 4 ennemis. Dieu 3. Voilà. Place nettoyée. Ouais, j'espère qu'il n'y en a pas d'autres. Alors à mine et portée, c'est ça. Par ici. On file vers le fleuve et on trouve un plan pour se barrer. Honnêtement, c'est un petit gadget. J'aime pas. Oh merde. Gars, c'est on était au début. Vous devez normalement reconnaître les lieux. Désolé, un petit temps de chargement. Et ici, vous trouverez la deuxième plaque du niveau. Des kitties. Maintenant vous foncez. Vous vous en fichez de cette personne là. Là vous allez tout droit. Vos coéquipiers seront téléportés. Voilà. Et à droite derrière cette grille, vous trouverez la dernière plaque du niveau et vous aurez donc écouté tous les éléments. On est presque au fleuve, hein. C'est un vrai champ de bataille. Qu'est-ce qui se passe là? Allez, ça tourne à la guerre civile. On va où? Personne ne contrôle plus rien. Ça, je dirais pas le contraire. Eh ben... Merci. Entrez, s'il vous plaît. Aidez-nous à rejoindre le fleuve. Oh, les meurtres qu'il y a eu. Américain ? Ok, on a bien besoin de votre aide. Là-dedans ! On ouvre l'œil, Rika. Du calme, Pac. C'est pas des vrais méchants. Comment ça va? Ça va? Et Oma? Ok. Attention, écarte-vous de la fenêtre. C'est dangereux. N'approchez pas de la fenêtre. On essaie d'aller au fleuve. Mais deux chars. Personne n'entre ni ne sort de la ville. On va vers le fleuve. Il y a des roquettes anti-chars dans le coin? En voilà une.
Les nôtres ripostent. Mitchang est trop puissant. On est piégés. On a besoin d'aide. Restez là, protégez l'enfant. Allez, Wrecker, en route. Vous voyez le char, Wrecker ? On a besoin d'explosifs pour percer sur la vague. On en est où, niveau temps ? On est en retard, je pense. On détruit ça et on se trouve une barcasse pour quitter la ville. On fonce ici dans ce bâtiment. Et la chose la plus importante que vous trouverez, ce sont nos chères mines. Bien évidemment, anti-char, mais aussi que ces quatre. Je sais plus du tout en fait où ils, leur chemin exact. Là. Wrecker, donnez-lui tout ce que vous avez. Il arrive droit sur nous. Incroyable, mec. Trois charges de C4 pour détruire un char. Un autre char. Se dire aussi 3000. Le blindage arrière est plus fragile. Je dois l'attaquer par l'arrière. Ah, fiche-moi. Voilà. Beau travail. On n'a plus qu'à descendre jusqu'à l'eau et à filer d'ici. Ah, vive les mines pour déchigner les chars quand même. On doit prendre un bateau. Hé hey, y a des civils ici. S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'ils racontent? Je crois qu'ils vont nous aider. Quand même gentil. Ça va? Ouais, bien. Fortress, ici Tombstone 4. On est à bord d'un bateau civil, à vous. Ici Fortress, bien reçu. Arrivée estimée, à vous. Cette coque de noix n'a rien d'un bateau de course, à vous. Ici Fortress, on vous tire dessus, Tombstone. Quelle est votre position? Je répète, ici Fortress, on vous tire dessus, Tombstone. Répondez. C'est la caisse. Tous ces bateaux. Tous ces gens. Mais clique pourquoi une nuée. Suivez-nous. Suivez-nous, on va tous nous mettre à l'abri. Eilish, qu'est-ce que tu fais? On peut pas les laisser là, Bac. Suivez-nous, on va vous amener à l'USS Valkyrie. Perds-tu la tête, Eilish? J'ai toute ma tête. Suivez-nous. Suivez-nous, on va tous vous mettre à l'abri. Dépêchez-vous! Fortress, ici Tombstone, répondez, à vous! Fortress, ici Tombstone, répondez! C'est ainsi que nous accomplissons cette deuxième mission du Wolf Food de Battlefield 4. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi, je vous dis à la prochaine fois.